c'est la ligne. À la ligne. Okay. Ça le vira. Sous l'œil avisé de Lilian. Ouais, mais après. Toi, le Yaï des White Warriors sur Edmonter. Il n'aura pas le titre, mais qui sera bien sûr sur le podium. Regardez, superbe domination de cette jeune femme, victorieuse du cross, et qui va emmener une belle équipe de Nanterre. Et la surprise vient maintenant de la deuxième place, et elle sera championne d'Île-de-France, Mathilde Chassignon. Nemours. Mathilde Chassignon, deuxième et championne d'Île-de-France. Bravo! Bravo! Elle va prendre la troisième place et la deuxième place du podium des championnats, Samira Mesran. Shania Boumadi. Bravo! De l'US Ivry. On va récupérer les quatre premières. Shania Boumadi de l'US Ivry. Bravo!
Bravo. Et l'équipe, membre de l'équipe d'Algérie, ça fait toujours du bien de courir avec nos athlètes en France, et notamment en région parisienne. En tout cas, tu as dominé la course. Est-ce que tu es crossman de nature ou... Je suis crossman. Le parcours, il est bien, il est magnifique. Je suis contente. Voilà. J'ai attaqué la course au début jusqu'à la fin. Voilà, je suis heureux, j'ai gagné la course facile. Voilà. Une question, est-ce que tu seras au championnat de France et est-ce que tu penses briller comme tu as fait aujourd'hui? Tu connais le championnat de France ou est-ce que tu connais en forme qui m'arrive? Oui, bien sûr, Inch'Allah, on va le championnat de France, on va courir le championnat de France. Va courir le championnat de France et j'espère que je suis en forme dans 3 semaines. Ok, super, merci beaucoup. Voilà. Merci. Enfin, on connaît un peu les athlètes de la région parisienne. Sincèrement, on a été surpris par ta puissance, j'allais dire. Qu'est-ce qui s'est passé en préparation? Je sais pas, ben là on vient d'un stage. On vient d'un stage d'un mois, donc on a travaillé beaucoup plus en volume, on a travaillé différemment d'habitude. Après, ça va peut-être payer ou on va peut-être avoir le contre-coup. On savait pas trop où on en était justement vis-à-vis des sensations, comment on serait. Donc on verra par la suite, le vrai test ce sera les championnats de France et c'est là qu'on va savoir vraiment. Justement, c'est la question que j'allais poser, comment tu penses gérer les 3 semaines? Est-ce que tu vas encaisser ton stage pendant une semaine et remettre une couche? Comment tu vas gérer ça d'ici 3 semaines? Est-ce que tu penses monter encore en gamme? Bah, on va essayer. Après, là, on a fait justement, on est revenu la semaine dernière, on a fait une semaine light là. On a fait une semaine un petit peu plus light et là, on va essayer de refaire un cycle de 2 semaines pour refaire une semaine tranquille avant les championnats de France. Ok, bon, maintenant rendez-vous. J'espère que ça marchera aussi bien en France. Bah, on espère. Après, ça passera ou ça cassera, on verra. Merci beaucoup. Merci.